Était le nom de cette dégaine l'on se retrouve pour une petite vidéo sur Minecraft Wii U. Vous voyez bien, je suis bien sur Minecraft Wii U. Alors, le titre n'est pas du butaclic ni du fake, c'est la vérité. Donc, d'ailleurs, vous voyez là Minecraft Wii U. Donc, pour ceux qui ne savent pas, mais voilà, je suis modeur depuis maintenant, bah maintenant ça fait pas mal de temps. Aujourd'hui, enfin, j'ai commencé à créer ce pack mardi, le jour où sort la vidéo. Je vais essayer de sortir la vidéo jeudi, donc j'ai mis à peu près 2 jours pour créer ce pack. Soyez indulgents, s'il vous plaît, parce que c'est un pack de textures. Vraiment, j'y ai passé du temps et, genre, c'est mon tout premier, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Genre, pas trop de commentaires négatifs, mais bon, moi j'ai réussi à créer un pack, c'est déjà bien. Hein. On va commencer je vais commencer à vous présenter le pack. Juste avant, je vous avertis dans le pack de texture. C'est-à-dire que ça ne va pas être un pack de texture comme le Pala pack de Fire Rice. Ça va être juste des textures pour les mettre sous d'autres textures de Minecraft. C'est-à-dire que ça va juste, je vais juste vous donner un fichier avec des textures et ces textures, vous allez les mettre au lieu de vos vraies textures de Minecraft. Donc voilà, ce sera pas comme le texture pack Palladium. Je répète parce que je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris. Vous allez dans votre Minecraft, enfin, vous allez sur Perminstall, vous allez dans les commandes, dans les je sais plus trop quoi, RES, machin, tout le pile update. Et après, vous glissez les textures pour qu'elles soient remplacées. Et après, ça va vous mettre mes textures à moi que j'ai créées. Donc du coup, pour commencer, j'ai fait les blocs sur un faceful, ensuite les particules sur, c'est des particules normales que je les ai faites par-dessus, et les idems, c'est sur les idems normaux. Du coup, voilà, on va tout de suite commencer. Je vous ai un peu spoil, on va le faire. Mais voilà. Du coup, pour commencer, donc, on va commencer avec l'armure en cuir. Donc, alors, désolé si le casque est comme ça, mais c'est pas de ma faute, hein. J'en ai fait une fois, j'ai voulu changer pour tester, mais bon, c'était juste un petit kiff. Voilà, la pioche. Et après, je pense que c'est un peu le même design pour tous. Donc,
plus en détail sans diamant. Et donc voilà. Du coup, je vais commencer celle de l'écran, vous allez voir. Donc voilà, après, les épées comme ça, je les trouve vraiment bien. Voilà, je pense que c'est des beaux items. Bon, après, si vous voyez des petits bugs, n'hésitez pas à me le dire, mais bon, il y a des bugs que je peux pas régler, je peux pas tout régler. Je suis pas un pro des texture pack et tout, et voilà. Donc voilà, la pioche, pelle, épée, du coup, les pantoufles, le jean, le baston, le casque. Ensuite, on va passer au trophée diamant. J'ai tout droppé dans mon inventaire, là. Les items de partout par terre. Voilà. Du coup, c'est pas chez l'armure en réduit parce que le pack, il va s'appeler le red pack. J'aime bien le rouge. Et que voilà, je voulais tester aussi un petit peu comment ça allait rendre en rouge. Et voilà, mon premier pack, ce sera le red pack. Sauf que du coup, le problème, c'est que quand vous mettez l'armure dedans, ça ne marche pas. Je sais pas comment régler ça, mais après, même si j'essaye d'aller dans les trucs, dans les données des armures, mais bon, il y a quelques petits bugs. Donc voilà. Voilà. Donc on va supprimer cette petite arme. Je trouve vraiment sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez aussi du pack. Je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas. Voilà, ça a l'air d'être bon. Je vais juste commencer à taper. Du coup, ensuite maintenant on passe au popo. Donc, pour les popos, je les ai assez comme ça. Parce que je sais pas, je trouve que vraiment, elles sont plus jolies comme ça. Je sais pas, elles se voient plus, elles se reflètent plus. Pareil pour les splashes. Donc, en fait, j'ai fait un petit contour noir, c'est tout. Mais ça change vraiment beaucoup de choses, des petits contours noirs. Donc, voilà. Donc après, là, dans les armures à châle, j'ai modifié que l'armure à châle en diamant, donc voilà. C'est l'armure à châle en diamant. Du coup, on a les sauts de lave, sauts d'eau, donc voilà. Comme ça. De toute façon, vous aurez pu voir les textures avant. Mais c'est des textures assez basiques, j'ai pas modifié la lave et l'eau, quoi. Enfin, c'est comme ça. Ah, du coup, j'avais mes chips. Mais bon, voilà, c'est quand même toujours bien. Toujours bien de les avoir, les petites textures comme ça. Donc voilà. Je vais tout prendre, je vais tout supprimer. Donc maintenant on passe à l'arc. Donc l'arc, bah voilà, aussi vous pouvez voir quand je. Ah bah il y a ma langue, du coup j'en ai une chat de jeu. Parce que je vais quand même laisser le laisser. Du coup, ce que je vais faire. Enfin, ce que j'ai fait, c'est que dans l'arc, quand il bande, ça c'est pour dire ça, mais en fait vous voyez qu'il y a une sorte de petit carré qui devient de plus en plus rouge, enfin, qui devient jaune, ensuite orange, ensuite rouge, pour dire à quel temps est votre arc. Donc voilà. Et aussi vous pouvez voir quand il est rouge. Voilà. En fait, ça lance des particules de critique parce que ça, les particules, ça lance des particules de critique. Donc voilà, c'est assez sympathique. Et c'est dans Minecraft en fait, c'est pas de ma faute, ça lance des particules de critique. Là, du coup, là, ce que j'ai dit, c'est juste que vous voyez le truc, le sort de petit anneau en fer, ben, j'ai remplacé, enfin, j'ai fait plus blanc que d'habitude. Donc voilà. Les flèches, je les ai pas modifiées. Les underpants, je les ai modifiées. Donc, vous pouvez les voir. Et ben, voilà. Donc voilà. Ensuite, les visages, je les ai pas modifiés. Pareil pour le top 10 of Undying. Les livres, donc voilà, ils sont rouges. C'est comme ça. J'ai trouvé vraiment magnifique les livres. Voilà, vraiment beau. Donc voilà, le livre avec des enchantements. Et je ma coin infinity, mais bon. Ils sont tous comme ça. Le livre à plume. Et là, le livre où il y a écrit des choses. Donc, moi, j'ai écrit des choses. Rien dedans. Voilà. Ensuite, on a le bloc en diamant. Qui est comme ça. Bon, par contre, voilà, il y a certains bugs. Genre, quand on s'éloigne, vous voyez très bien qu'on revoit la texture du bloc en diamant. Ce qui est assez chelou. Donc, on ne comprend pas trop pourquoi c'est comme ça. Mais bon, voilà.
et après, quand vous rushez en diago, c'est comme ça. Bon, c'est assez chelou, mais bon, voilà. Désolé que je vous dise aussi, voilà, ça reprend ses textures. Mais bon, je savais pas trop quoi faire, mais voilà, j'ai fait ça. Du coup, ensuite, j'ai copié la texture pour tous les blocs de gris. Tous les blocs de gris, et ensuite, je l'ai mis pour le béton rouge et le bleu. Et mais, par contre, je vais le faire pour tous les bétons. Donc voilà, les gens, c'est fini. On va peut-être se laisser avec un petit peu de bébé. Moi aussi, j'ai oublié de vous montrer plein de choses. Je viens de repenser maintenant à la minute. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai oublié de vous montrer, comme le diamant, la pomme, les pommes et les steaks. Donc voilà, ça ressemble à ça, les steaks. J'ai fait un petit contour. Les pommes, j'ai trouvé assez joli. Ça ressemble un peu plus à des pommes normales, mais c'est un repas. Donc voilà, le pack s'appelle repack. Donc voilà, faut quand même lui faire plaisir. Donc voilà, les gens, ça m'a l'air d'être. Si je trouve d'autres choses, bah, je vous le dirai. Et je pense que je vais juste faire un petit peu de bébé avec ma mangue pour vous tester. Et voilà. Surtout, je vais prendre une salade de jouer, on va lui parler. Ok, ma maman, tu viens, on va faire un petit peu de bébé. Ok. Donc, ouais. Aussi, les gens, je ne vous ai pas montré les particules de Chardonnay et de critique, mais je pense que pendant le PVP, on va les voir. On va faire un PVP vite fait, là, je prends juste le vite fait. Je prends un livre avec Chardonnay, voilà, juste enchanté Chardonnay simple, et puis voilà, on va rien dire. La table d'enchantement aussi, je ne vous l'avais pas montré. Ouais, du coup, je ne vous ai pas montré. En fait, ce que je ne vous ai pas montré, c'est la table d'enchantement et les TNT. Parce que je modifie aussi les TNT. Donc, les TNT, vous allez me dire, ouais, t'as oublié les TNT du Rainbow Pack que j'ai créé hier en live à 23h. C'était waouh! Mais non, je ne les ai pas copiés, mais c'est juste que j'avais déjà fait l'idée avant. Je les avais déjà fait comme ça avant. Donc voilà. Aussi, les TNT, comme vous les allumez, ben. J'ai pas mis les TNT, mais quand vous les allumez comme ça, et ben, elle reste toujours comme ça, et voilà, il n'y a rien d'autre qui change. Donc voilà, alors attendez, je vais attendre, je vais avoir une petite charme de sang, ok, parfait, donc voilà, la petite table de choix qui est rouge de tous les côtés, qui est magnifique. Donc, on s'est dit ça. Ouais, je pense que c'est vraiment, mais bon, c'est pas grave, on le fait à la vitesse, le PVP. Donc, du coup, pour que ce soit plus fun, on va prendre le sandstone, vu que c'est moi qui fais les textures. Voilà. Ensuite, je pense que je suis en train de prendre cette pomme et je vais en passer 8. On a. Avec un arc avec des flèches. Je crois que j'ai déjà le PVP. C'est vraiment débile. Mais du coup, déjà, je vais quitter ma langue. Est-ce que je peux vite me rejoindre sur une map avant? Ok. J'espère que vous m'entendez quand même bien. Et voilà, j'ai juste pensé que j'avais pas de chance. Je suis vraiment idiot. Donc, du coup, je vais faire GameCraft pour que vous voyez vraiment pendant le PVP qu'est-ce que ça fait. Parce que c'est vraiment intense. Voilà. Donc, vous voyez aussi les cœurs, bah, les cœurs sont normales. C'est pas les cœurs, je ne vois pas. Je m'y croyais qu'il y a complètement. Donc, voilà. Après, je ferai peut-être un. Vraiment du temps aussi et de même moment qui s'y rejoint donc là donc on va embêter une tournée de PVP je vais mourir du coup ma maman viens avec moi je suis côté bah non c'est tout en haut ok bah tout de suite c'est pas grave du coup bah viens
Tu vas là, tu rentres, tu prends une pépite, t'achètes ton kit et tout ça. Donc voilà, là c'est déjà mieux, tout est déjà préparé. Voilà, c'est le bout de. Voilà. Donc vous voyez que vraiment, là, il y a tout qui a changé, même le bois, parce que le bois, il est dans une texture fixe. Donc il y a vraiment tout qui a changé dans ça, et pareil pour la cobble. La cobble aussi, elle a changé, vu que c'est une texture. Je peux y avoir. Ouais, non, désolé. Par contre, ce qui n'a pas changé, c'est les flèches spectrales. Je montrerai dans le milieu. Donc voilà. Voilà, les pommes et les flèches spectrales sont là qui n'ont pas changé parce que. La flèche n'a pas changé. J'ai changé aussi les flèches, donc voilà. Donc c'est parti. Aussi la canapé je voulais prendre un mais voilà comment elle est. Ouais elle est petite. Elle fait comme ça, elle est morte. Aussi je vous ai pas montré mes sticks. Vous voyez les sticks comme ça. C'est bon, tu es prêt ma maman? Oui. Ok, bah du coup. Je suis pas trop chaud les gens parce que c'est le matin donc il est 9h du mat. Pour une prochaine nouvelle vidéo. Ça n'existe pas.